Bonjour à toutes et à tous, c'est RedArts et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de GVG où nous allons nous battre contre la guilde Bulgarians. C'est parti! Pour commencer cette GVG, nous allons affronter Nogidar. Donc bonjour à toi si tu passes là. Il a deux teams assez dangereux, surtout la première d'ailleurs. Mais la première, on va tenter une team que j'utilise très souvent. Et la deuxième, on va essayer de cliff parce que franchement, pour tanker ça, chapeau. Bon, on peut y aller avec du Will sur la deuxième team, c'est pas trop un problème. Je pense qu'on devrait arriver avec les teams que j'ai en tête. Je pense que cette configuration d'équipe devrait fonctionner. En haut, on va essayer de Lucian. Et en bas, on va essayer de Chun-Li. Donc on va pas tanker, on va essayer de cliff, clairement, on va pas s'embêter. Le Carcano est très squishy en tous les cas. Et Yen n'en parlons même pas. En haut, ça va se jouer sur Tankiness. Si ça crève, tant mieux. Si ça crève pas, bah écoutez, ce sera fini. On aura perdu, c'est pas un problème. Donc allons-y. Normalement, ça devrait bien se passer. Bon, bah comme j'ai dit, hein, ça va dépendre de la Tankiness des monstres en face. Donc c'est parti. Donc il est très très lent déjà, c'est cool. Bon, il a pas de wheels, ça nous arrange. Oui ou non, on s'en fout en fait. Et on va essayer de Lucian. Est-ce que ça passe? Oui. On va dire ça, hein, parce que bon, Shaina toute seule, c'est super chiant à gérer avec deux monstres qui font pas de dégâts. Ah, super, merci. Elle m'a tué Lucian, espèce de saleté. Tu es vraiment dégueulasse, Shaina. Tu n'es vraiment pas cool. On va continuer à attaquer. Bon, ça va être vraiment très très long. Ça va vraiment être trop trop long. On va éviter de faire le skill 3 parce que de toute façon, elle va nous mettre extrêmement cher si je fais le skill 3. Surtout qu'elle pose des break def, donc évitons de faire le skill 3. Hein. Voilà, honnêtement. On la tue petit à petit et c'est fini normalement. Encore un petit coup. Voilà, terminé. Bon, on a plus de chaîne déjà. Là, on va essayer de Chun-Li. Évidemment, on va pas s'embêter. Hein, break def, si tu le fais. Oui, c'est gagné, c'est terminé. Il a perdu. Voilà. Bon, je me suis pas embêté parce qu'honnêtement, ça pour tanker, j'ai pas trop envie. Franchement, j'avais vraiment pas envie de tanker ça. Donc, Nogidar, bah merci à toi. Merci à toi, ça a été très très sympa. Pour le combat suivant, on va essayer de taper Let Me Jinx You. Bonjour à toi au passage. J'ai envie de m'amuser sur la team 1 avec un Odin Kali. Franchement, j'ai vraiment envie de m'amuser. Et la team 2, je sais pas trop ce que je vais sortir. On va bien voir. Bon, j'en sais strictement rien. J'ai préparé les deux teams. Comme vous pouvez voir au-dessus, j'avais dit Kali, Odin, on va faire ça. Hein, ça devrait passer sans aucune difficulté. Et en bas, j'ai envie de m'amuser un petit peu. J'ai envie de sortir Douglas tranquillement avec Jusco Ghoul. Les deux sont en destruction, donc ça va crever petit à petit. On va quand même focus peut-être Bulwark qui va vite être chiant. Ou alors Skogul, tout dépend des dégâts que ça va faire. Allons-y. Normalement, en haut, il n'y a pas de problème. Franchement, il n'y a aucun problème. On tue Kaki et Feng sans aucun problème. Parce qu'ils ont que de la défense. Ils n'ont pas de PV dans tous les cas. Tout va dépendre des buffs que l'on va se mettre. Ok, aucun buff. Normalement, le Kaki est squishy dans tous les cas. Voilà, 38k, aucun Kaki à 38k. Et on va ignore def le Feng et c'est terminé. Bon, voilà. Ça a été très très facile, honnêtement, il n'y a pas de problème. Les deux sont vraiment sensibles à ignore def. Ils ont absolument aucun PV. Ce n'est pas un problème. Et le peintre, de toute façon, bah, il ne sert à rien tout seul dans tous les cas. Ce n'est absolument pas dangereux. Mis à part qu'il proc très souvent, mais bon, on s'en fiche. Ce n'est pas un problème. Il va mourir petit à petit. Hein. Voilà. Oui, bah vas-y, fais ton skill. Ça sert à rien que tu proc, hein, je précise, petit peintre, hein, voilà, tu meurs. Bon, on n'en parle plus. Ici, bah écoutez, on va essayer de taper jusqu'au bout, tiens. Plus on le tape avec le destruc, moins il fera de dégâts, donc c'est pas trop un problème. Bon, est-ce que tu as fini, Bulwark, de de proc sur mon Douglas? Ah, oh putain, le Douglas a très très peu de vie, hein, c'est cool ça. Oh bon dieu, il va pas bien, hein. Il va pas bien du tout, Douglas. Oh purée, on va faire ça parce que le Douglas risque vraiment de crever, hein, j'exagère pas du tout. On va taper à fond sur le Skogul, hein, comme ça il fera beaucoup moins de dégâts que son skill 2. Il fait vraiment très très mal. Hein. Il proc après, hein, évidemment, ça on n'y peut rien. Ok, il fait son truc. Mais ça va. Calme-toi, hein, calme-toi vraiment, Skogul. On fait ça. Avec du Destruct, c'est vraiment très facile parce que le Destruct a un impact monstrueux sur les monstres qui se cachent sur la vie. Du coup, il n'y a pas de problème pour les tuer. Voilà. Ok, ok, bah c'est passé tranquille. Bah là, on a gagné, hein, c'est terminé. Hein. De toute façon, le bol vert qui fait absolument plus rien tout seul. Sans Skogul, il n'y a plus de dégâts. Tu peux faire ça autant que tu veux. Mon Skogul, les solos dans tous les cas. Il fait tellement de dégâts, Skogul, putain. Il cogne fort quand même. Hein. Skogul, ça cogne très très fort. Hein. Il glancing jamais, hein, c'est dingue. Tu glancing jamais, bol vert, hein, c'est ouf ça. Hein. Il glancing jamais. Bon, bah tant pis, hein, écoutez, hein, on continue de le taper. Hein. Le petit skill là ici, on va essayer de le tuer. S'il te plaît, hein, tu peux crever. Non, pas du tout, t'as pas envie. Hein. Mais jamais tu glancing sur mon truc. Hein. Je sais que ça, il a l'avantage augmenté, mais quand même. Allez, tu vas crever un peu. Boum, voilà, c'est fini. Non, tu vas me lâcher. Hein. Voilà, et Léona, de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? À limite, je préfère Amelia qui est Léona en défense pour Skogul Bulwark. C'est beaucoup plus efficace. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Bah, l'anticrit, on s'en fiche un petit peu, hein, vraiment. Oh là là, c'est long.
Merci Douglas, tu es gentil. Et c'est une victoire parfaite contre Let Me Jinx You. Merci à toi. Pour le combat suivant, nous allons taper Mkata Bogos. Enfin, BG si tu préfères. Est-ce qu'il écrit sur le texte? J'ai envie de m'abuser aussi. J'ai envie de sortir du Feng. J'ai envie de sortir du Surfer. J'ai envie de m'abuser un petit peu là. Il y a de quoi faire. Hein. Franchement, Sierra, John, Perna, il y a vraiment de quoi faire avec l'immunité. Le mec ne fait absolument rien dans tous les cas. La team 2, avec le Surfer, ça va faire très très mal. Hein, parce que le Feng a 0 PV. Donc le Surfer, il ignore death sans aucun souci. On va tenter ça. Ok, tout est prêt. Donc là-haut, j'ai voulu faire une petite Nana Yunu Perna. Bon, c'est une qui est absolument dégueulasse hein. Parce que là pour que tu aies cette team il faut vraiment que ça proc à fond. Et en bas on y va avec Feng, Riley, Surfer O. Normalement ça passe sans aucun problème hein. Vraiment on bute Théo Mars, il n'y a plus de dégâts parce que le Feng il va mourir vraiment petit à petit. Il y a 2 sets destruction et en plus j'ignore of death. Il est très très mal barré le mec en face. Donc allons-y, c'est parti. Et j'espère qu'on va gagner. Normalement si ça proc pas ça devrait être cool. Qu'est-ce que nous avons? Ok bon c'est pas de problème ça. Aïe ça fait mal. Ça commence déjà à faire mal. On va essayer de focus le John. Hein. De toute façon, il n'a pas de PV, lui. On fait un skill 2. Oh, pas mal, ça. On va essayer de tuer John. Et il a perdu, parce que de toute façon... avant qu'il gagne, là, franchement, avec deux savoirs, enfin, deux savoirs, deux orbes de Nana, on devrait être tranquille. Ok, tu proc un peu, c'est pas grave. On tape encore. Un break attack, s'il te plaît. Pas du tout, t'en as absolument rien à faire. Aïe, ça fait mal. En plus, il faut savoir que le passé de Yunus s'accumule la force qui revient à la vie. Donc, c'est vraiment très très fort. Hein. Vraiment, je déconne pas. Hein. C'est très très fort. Le break attack, s'il te plaît. Voilà, enfin. On va continuer à faire ça. On va tuer Perna. Hein. Dans tous les cas, c'est le seul de cœur. Hein, parce que Syrah, de toute façon, elle fait rien. Et on y va. On a 3 orbes. C'est vraiment cheaté. Hein. Franchement, c'est cheaté de ouf. Ok, si tu veux, tu fais absolument pas de dégâts. Ah, j'ai pas crit. Bon, c'est pas grave. Ça, on n'y peut rien. Et on tue Sierra. Bon, là, c'était vraiment très, très facile. C'est une team absolument dégueulasse. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. On va focus le Théo Mars, hein, dans tous les cas. Il n'y a que lui à focus. On se met l'immunité pour être tranquille. Un break death, peut-être. Et maintenant, les ifrites cognent extrêmement fort sur le skill 2. Il faut vraiment se méfier. Quand je dis que ça cogne, c'est que ça cogne. Hein. Putain, il a mis super cher, le truc. Il a mis super cher. Allez, tiens, prends ça. On va faire le skill 2. On tue le Théo Mars, il y a plus de dégâts. Hein. De toute façon, Feng, jamais solo. Aïe, ça fait mal. On fait ça. Voilà, rien à ce travail. Un break death. Non. Mais c'est débile les dégâts que ça fait quand même. Le Surfer O, c'est vraiment scandaleux. Hein. Ça fait tellement de dégâts et il n'y a pas de dégâts crit. Il n'y a absolument rien. J'ai rien mis. Hein. Tout ce que j'ai mis, c'est de la vitesse, DPV, un petit peu d'attaque pour compenser un peu tout ça. Mais là, il cogne de ouf, le Surfer, hein, sans déconner. Ça cogne très, très, très fort. Bon, là, le Feng, il est mort. C'est vraiment fun. C'était plutôt fun à jouer. Bon, bah là ça va se finir sur la longueur, quoi. Parce que Shazun, c'est un tout petit peu long à tuer. Allez, allez. Oh, bon. Oh, les dégâts qu'il fait, mais c'est n'importe quoi. C'est quand même abusé les dégâts que ça fait le Surfer. Il n'y a pas de mots. Bon bah parfait, on a gagné. Bah merci Mkata BG. Hein. J'espère que ça vous aura plu. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment avec moi. Un bon moment de fun tout de même. Parce que là c'était vraiment très très fun. Donc quand même on a utilisé un petit peu de tout. Si vous voulez que je sorte certains monstres que vous avez déjà vu dans certaines vidéos ou dans des lives, n'hésitez pas à me dire en commentaire et j'essaierai de les sortir beaucoup plus souvent. Histoire que tout le monde puisse pouvoir profiter de la vision de certains monstres. Si cette vidéo vous a plu, merci de la partager, d'y mettre un like et surtout de vous abonner pour être au courant des nouvelles sorties vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde!